mata. Yeah, mata. Oh, oh, mata. Mata. Oh, oh, mata. Yeah, mata. Oh, oh, mata. Marty était le premier amour de Fanta. Il s'était croisé au quota. L'amour les avait mata. Et par amour, elle a tout laissé tomber pour faire de son Fanta ce grand homme honorable. Martha s'est fait adopter par sa belle famille, car par ses actes, elle a prouvé qu'elle était valable. Martha était le bel exemple de sa famille, oui, de ses amis, et même de son quartier. Martha, oh oh Martha, hey yeah Martha, oh oh Martha. Martha, oh oh Martha, hey yeah Martha, oh oh Martha. Martha faisait la cuisine comme un joyeux. Elle gardait bien son foyer comme Manibala. Martha était respectueuse comme Barbara Canam. Martha louait l'éternel comme kérosène. Martha était la grâce de Dieu pour Fanta son amour. Mais Martha vivait dans le désespoir. Martha vivait le désespoir, car Martha ne pouvait pas faire d'enfant à son chéri Fanta. Martha, oh oh Martha, hey yeah Martha, oh oh Martha. Martha, oh oh Martha, hey yeah Martha, oh oh Martha. Dans le désespoir comme Sarah, mais Martha ne perdait pas sa foi. Comme un enfant qui marche sur la route, les yeux en l'air et les cheveux au vent, Martha confia son désespoir à Dieu. Elle se mit à genoux et invoqua le Seigneur. Me voici Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur, me voici, je suis ton enfant. Oh Martha, oh, ne perds jamais ta foi. Par là-haut, Baba, dans le blessant. Oh Martha, oh, oh Martha. Martha, Martha, hey. Martha, oh, Martha, hey. Je dis Martha, oh, oh Martha. Hey, yeah, Martha, oh, oh Martha. Martha, oh, oh Martha. Hey, yeah, Martha, oh, oh, Martha, let's go. Finalement, finalement, 9 mois plus tard, pour faire le bonheur de Fanta, l'Éternel leur envoya un bébé, Martha, Fanta. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Mouah! Belle écoute! BBM.